Hi, everybody. This is God's Sad for the Sad Truth. You'll forgive my very, very rough voice. I've had a very difficult 2, 3 weeks with a very bad cough. Today, I have with me Ansaf Haidar, who is the wife of the Saudi blogger who was imprisoned in Saudi Arabia, Raif Badawi. And so, what I thought we would do today is we would discuss his horrible situation and any latest development, but we will be doing it mainly in French and with some Arabic. Alors, bonjour Ansaf, Bonjour. très très content que vous ayez accepté mon invitation. Merci beaucoup, moi aussi. Ça va. Ok, on commence. Est-ce que vous pouvez nous donner le résumé de la tragédie de votre mari pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire? Moi, j'ai un livre aussi, toute l'histoire. Mon livre, il est traduit anglais, français, allemand. C'est le premier traduit, c'est allemand. Puis après anglais, français, puis suédois. Il est déjà sorti le livre. Ça fait longtemps. Ah, fabuleux. Ok, donc tous les lecteurs qui sont en train d'écouter ça, il faut acheter le livre. Ok, alors donnez-nous le résumé de la tragédie de votre époux. Moi, je connais Raïf, c'est une faute. Lui, il est trompé. C'est pas lui qui a trompé les numéros. L'ami d'Iraïf, c'est l'ami de mon frère. Puis l'ami d'Iraïf a prêté le téléphone d'Iraïf. Puis mon frère aussi, il a prêté mon téléphone. Puis il appelait mon frère. Mon frère, il répond pas. Puis moi, le lendemain, je me réveillais. Puis je trouve les numéros dans mon téléphone. Puis j'appelle. C'est qui il m'appelle? Il m'a dit, garçon. J'ai dit, oui, je trouve le numéro. OK, c'est pas grave. Bye bye. Puis après, il me rappelle, je raccrochais, il me rappelle, je raccrochais jusqu'à minuit. Puis à minuit, j'ai dit, OK, je vous vois, qu'est-ce qu'il vous? Qu'est-ce qu'il vous? Puis, on connaît, c'est dans les mêmes soirées, j'ai parlé avec lui. Et vous vous êtes marié en 2001, right? Oui. Et dans le contexte de l'Arabie Saoudite, c'est pas toujours très facile pour les gens, pour les hommes et les femmes de Oui. communiquer l'un avec l'autre. Alors, est-ce que c'était difficile de se rencontrer? Est-ce que vous devez toujours être C'était accompagné? très difficile. C'était pas difficile? C'était très Très difficile. difficile, ok. Et Raif, il reste 12 ans pour demander à ma famille pour le mariage. Puis ma famille, des fois, accepte, des fois, accepte pas. Puis mon père, jusqu'à après le mariage, il acceptait pas. Puis mes frères aussi. C'était très difficile. C'est une longue histoire. Quelles étaient les raisons principales pourquoi ils acceptaient pas Raif? Moi, j'ai vu les sud de l'Arabie Saoudite, puis Raif, il vient du nord de l'Arabie Saoudite. On a les traditions dans ma ville. Les familles connaissent toutes les familles des maris. Ce n'est pas juste lui, il arrive. C'est une tradition. Puis pour ça, c'est les premières raisons. Puis après, ils cherchent pour les raisons pour accepter pas. Puis Right. Et finalement, il a pu convaincre la famille que vous vous mariez. Vous aviez eu 3 enfants ensemble. Vous viviez j'ai en Arabie Saoudite sans aucun problème jusqu'à ce qu'il a commencé son activisme. C'est ça? Oui, mais Raif a commencé son activité en 2006. En 2006. En 2006. Et est-ce que les autorités l'ont menacé d'arrêter ça ou bien c'est venu comme surprise le fait qu'ils l'ont emprisonné? Non, il a fait les menaces, puis il a les fatwas 2000. 11 détails, les fatwas, il est sorti
une chère musulmane. Elle fait les pétitions pour 100 personnes et signer pour dire à les femmes musulmanes. Et aussi son compte de banque est bloqué à Gilet. Et toutes les choses avec le gouvernement et Gilet depuis 2000, 2008. Puis il a arrêté le voyage, il a interdit à sortir l'Arabie Saoudite aussi depuis 2008. Et moi, j'ai sorti l'Arabie Saoudite à la fin 2011. C'est le dernier mois 2011. Quand vous avez quitté l'Arabie Saoudite, ça faisait combien de temps qu'il était en prison? Non, moi, j'ai quitté l'Arabie Saoudite avant Raif Oh, arrêté. avant, ok. Oui. Et pourquoi est-ce que... Ah, parce que lui, il pouvait pas quitter, parce qu'il avait interdit de quitter. Oui, depuis 2008. Ah, ok. Et est-ce que lorsque il était en train de faire son activisme, est-ce que vous, comme son épouse, est-ce que vous étiez typiquement d'accord avec son activisme, ou bien est-ce que vous étiez en train de lui dire, est-ce que tu peux te calmer un peu? Nous avons une famille, il faut rester calme. Ou bien vous étiez tous les deux d'accord pour le trajet que vous faisiez? D'accord avec lui parce qu'il a le droit pour dire qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut pas. C'est pas juste d'accord pour toutes les choses. Puis les surprises maintenant, c'est tous les raïfs. Il dit depuis 2006, maintenant c'est le prince Mohammed bin Salman, il fait les mêmes choses comme raïf il dit avant. Et ça veut dire toutes les choses raïf il dit, c'est correct, c'est pas une chose criminelle ou une chose dangereuse, non, c'est une chose simple, il a le droit. Et est-ce que vous pensez que, étant donné le changement qui se produit en ce moment en Arabie Saoudite, est-ce que vous êtes optimiste que peut-être finalement il va être libéré parce qu'il y a un peu un courant un peu plus tolérant qui est en train de se produire en Arabie Saoudite maintenant? Est-ce que ça vous donne un peu d'optimisme? Oui, comme j'ai dit tantôt, il m'a donné l'espoir, cet changement, parce que c'est tous les raïfs, il dit, c'est exemple pour les conduits des femmes, pour les polices religieuses, c'est tout ça, c'est raïfs, il dit, avant, puis maintenant, les polices religieuses est annulée. Il n'a pas encore, il a le droit pour faire les choses comme avant. Puis les femmes, maintenant, il a le droit pour conduire. Il m'a donné l'espoir parce que si il dit les mêmes choses que maintenant, le prince, il fait, pourquoi mon mari, Raif, maintenant, dans le présent, Wow. Sa condamnation est de 10 ans de prison et 1000 fouettages, c'est ça? Oui, 1000 coups de fouet, puis 10 ans dans le présent, puis 10 ans après le présent. 10 ans quoi, qu'il doit rester en 10 ans Arabie Saoudite? rester en Arabie Saoudite après le présent, puis 1 million rial. D'amende. Oui. Ok. Et est-ce que vous avez le droit de retourner en Arabie Saoudite de le voir? Est-ce que vous avez jamais retourné là-bas ou c'est impossible de le faire? Non, j'ai jamais retourné là-bas parce que moi maintenant j'ai les documents voyage, j'ai pas le droit pour retourner en Arabie Saoudite. Aussi, moi je suis réfugiée à politique, j'ai pas le droit pour retourner en Arabie Saoudite. Wow. Donc vous l'avez jamais revu depuis son emprisonnement, ni vos enfants l'ont revu. Depuis qu'il a été emprisonné, vous l'avez jamais revu, ni communiqué avec lui? J'ai contacté avec lui par téléphone. C'est lui, il appelle. Il appelait nous. Puis, Ahlan Il est parti. من هيدي بنتك مع ابنك؟
هاي الصغيرة. صغيرة. I was gonna speak in Arabic. Est-ce que vos enfants, combien de temps ils ont passé avec lui, qu'ils l'ont vu comme leur père? Pas beaucoup. Si, non, pas beaucoup. Les plus vieilles, Najwa, maintenant, elle a 14 ans. J'ai parti l'Arabie Saoudite quand elle a 8 ans. Et comment est-ce que vos enfants, c'est sûr que ils sont très tristes que leur père passe à travers cette tragédie, mais est-ce qu'ils se sentent intégrés dans la communauté québécoise ou bien c'est quoi leur état psychologique en ce moment, vos enfants? C'est québécois. OK. C'est québécois, c'est vrai, elle manque son père, et toujours elle attendait son père, elle est fière de son père, mais elle acceptait les Québécois, mes enfants, elle adaptait les Québécois, puis les Québécois, elle adaptait mes enfants, c'est génial maintenant, mes enfants, ils parlent très bien français, puis ils ont l'ami, ils ont allé à l'école. Est-ce que la communauté musulmane au Québec, comment est-ce qu'ils ont réagi à votre tragédie en ce moment? Est-ce qu'ils vous supportent? Est-ce qu'ils sont contre votre position? Comment ils réagissent? Mais c'est correct. J'ai une amie, j'avais pas beaucoup d'amis arabes ou musulmans ici à Québec. Peut-être parce qu'avant, j'ai décidé, je ne veux pas faire contact avec l'arabe à cause des langues. J'arrive ici, zéro français, puis j'ai pris le français ici. J'ai décidé. Je coupe avec les contacts avec l'arabe à cause j'ai pris les langues ici québécois, mais je connais les gens qui travaillent au centre New Canadien, c'est un centre d'aide New Canadien. Il a beaucoup d'arabes. Et il a accepté mon histoire parce que elle vient du Maghreb, elle vient pas de l'Arabie Saoudite. Mais même les gens en Arabie Saoudite, ils acceptent aussi mon histoire parce que on voit le monde ailleurs, l'Arabie Saoudite, arabe aussi. C'est comme Liban, comme Syrie, c'est Jordanie, Bahreïn, Koweït. C'est d'autres vies, c'est pas comme nous. Même pour les femmes, il y a beaucoup de choses. Elles sont musulmanes, mais c'est pas comme nous. Donc, ce que vous dites, c'est que même les Arabes saoudiens sont typiquement contre le système en Arabie saoudite. Ils ne peuvent rien dire parce que peut-être ils n'ont pas le courage de le dire. Mais d'après vous, la plupart de la population sont contre le système en Arabie saoudite? Bien sûr, c'est pas tous, mais il a. OK. Bon, et les autres pays musulmans? Est-ce que, parce que votre histoire maintenant, c'est une histoire internationale, tout le monde connaît l'histoire de Raïf Badawi, comment est-ce qu'ils ont réagi à l'histoire? Est-ce qu'ils vous aident? Et comment, par exemple, le gouvernement canadien maintenant avec Trudeau, est-ce que vous êtes content de sa participation ou est-ce que vous êtes déçu? En général, comment a été la réaction des pays envers l'histoire de votre époux? Malheureusement, ici au Canada, Québec, oui, Québec, il fait des choses pour Raïf. Mais un quart avec Monsieur Justin, je trouve pas les changements. Il parle pas de beaucoup de comme il veut, parce que maintenant, il a le droit. Maintenant, Monsieur Trudeau, c'est ils vont m'aider, il a beaucoup de chance pour m'aider. J'habite ici au Canada, Raif, c'est pas un criminel, ça va être difficile pour Monsieur Justin pour parler à Raif. Mais aussi, à mes chances, les changements de l'Arabie Saoudite, c'est pas un changement facile,
C'est le prince Mohammed bin Salman, il dit il veut faire une Arabie saoudite moderne. C'est comment ça? Il a beaucoup de monde prisonnier d'opinion, puis prisonnier d'expression. Il veut m'aider. Mais alors pourquoi, quelle est la raison d'après vous, ou les raisons que M. Trudeau n'a pas accédé à la hauteur de l'importance de l'histoire? Pourquoi est-ce qu'il ne vous aide pas autant que vous auriez aimé qu'il vous aide? Ben je sais pas, mais il m'a dit pas, il veut pas m'aider, mais moi je trouve qu'il fait pas il veut pas les choses fort. Est-ce que vous avez eu une audience avec lui? Est-ce que vous l'avez rencontré personnellement? Oui, j'ai rencontré Monsieur Trudeau deux fois. Et sa réaction, peut-être il donne plein de promesses, mais il n'agit pas aux promesses, c'est ça? Oui, mais il m'a donné les premiers, puis après, je vois rien. Je vois pas les changements. Le débat sur l'immigration qui se passe en ce moment à travers les pays occidentaux, quelle est votre position sur ça? Parce que vous êtes une immigrante et vous êtes le type d'immigrante qu'on aimerait avoir ici au Québec. Je suis un immigrant, je ne sais pas si vous savez, un Albanais. Tafin un Albanais. اهلا Allons ça. Un Albanais yahoudi. Un اول يهودي اللي عم تحكي معه مزبوط. وسهلا. لا مش اول يهودي. مش اول واحد بس احلى واحد. Donc, je suis immigrant, vous êtes immigrante, donc c'est sûr que tous les deux, on supporte l'immigration parce que nous sommes des produits de l'immigration. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un peu un conflit entre étant ouvert, c'est bien d'être ouvert aux immigrants, il faut aider les gens qui ont besoin d'aide, mais aussi il faut avoir une certaine contrainte parce que si on laisse trop d'immigrants rentrer qui peut-être ne partagent pas nos valeurs, libéral, moderne, laïque. Est-ce qu'il y a un danger? Donc, où est-ce que vous situez dans ce débat? Il va falloir que je trouve quelqu'un pour faire du editing parce que je peux pas ma fini à attendre à la vidéo avec tout le fauteuil. Vous comprenez? حتتعب كثير. لعبت عب لازم اجيب حدا انت يظبطه لان ما فيني اطلع هالفيديو هيك عم تفهميني سوري ايه سوري عارفة. ولا يهمك. اوكي سو كالي فوت بوزيسيون سور ليميغراسيون ان سكي كونسيرن سو ديبا. Et moi ici, j'ai l'impression que c'est comme je suis québécois. C'est vrai, j'ai 4 ans, juste 4 ans. Mais les Québécois ils sont très simples, très touchants et très sensibles. Ils acceptent mon histoire, ils m'aident beaucoup. Ils font beaucoup de choses pour m'aider. C'est comme le vigile chaque vendredi ici à Sherbrooke, en face de l'hôtel de ville, fait le vigile. Soit neige, soit chaud, soit froide, soit c'est tout vendredi, midi et demi, tout le monde là-bas à cause des vigiles. Wow. Aussi, Allez, oui. allez-y, allez-y. Aussi, il a les banderoles, les photos des raïefs à l'hôtel de ville. C'est Wow. l'hôtel de ville maintenant, Sherbrooke, c'est. Raïf, c'est Sherbrooke avant il arrive. Wow. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Sherbrooke plutôt que Montréal, par exemple? C'est pas moi j'ai choisi. Peut-être vous savez, j'étais au Liban. J'ai demandé pour les réfugiés. Puis mes enfants, ils ont pris le français au Liban. Après, peut-être à cause de Sherbrooke, c'est une petite ville, c'est une ville pour étudiants. Je ne sais pas, mais c'est pas moi qui ai choisi. Et vous êtes contente là-bas? Très contente. Ah, fabuleux. Est-ce que vos enfants parlent avec un accent québécois ou un accent international? Non, peut-être un accent québécois. Wow. Comme on dit en québécois, pure laine. Oui, Et oui. est-ce que vos enfants, est-ce qu'ils sont
est-ce qu'ils ont une affinité envers l'islam ou bien pas du tout? Ils sont vraiment québécois, complètement laïcs, ils ont quitté leur religion. L'islam et les religions, c'est dans les cartes, c'est avec comment tu fais, c'est l'islam. C'est pas les prières, c'est pas les nourritures, c'est pas les. C'est les religions, c'est un contact, les personnes avec son Dieu, c'est pas les contacts avec le monde. Right. Et donc maintenant, qu'est-ce que vous êtes où dans l'histoire? Est-ce qu'il y a un brin d'espoir où vous êtes en train de travailler sur un angle avec le gouvernement américain ou où est-ce qu'on est dans l'histoire en ce moment? C'est partout. Ah, ok. Amérique, Canada, Europe, avec le Parlement européen, c'est partout. Est-ce qu'en réalité, c'est ce que vous faites à longueur de journée, right? C'est votre occupation d'essayer de sauver votre mari. Vous n'avez pas un autre emploi, correct? Bien sûr, oui. C'est mon livre aussi, son titre, il s'appelle Ma vie poursuivait Raif Badawi. Wow, quel amour, quelle fidélité. Vraiment, c'est une très belle histoire d'amour, mais une histoire très tragique. Écoutez, si jamais vous venez à Montréal, vous êtes les bienvenus chez nous. Merci beaucoup, c'est gentil. Moi, avant, je pense que vous habitez à Toronto. Non, on est très proche de vous, donc vous venez chez nous et ma femme est libanaise, donc vous allez avoir toute la cuisine libanaise que vous voulez, autant que vous Merci voulez. beaucoup. Vous aussi, bienvenue à Sherbrooke. Merci beaucoup, Ansaf. C'est un plaisir de vous parler. Restez sur la ligne. C'est très gentil que vous avez pris le temps de me parler. À bientôt et bon courage, hein. Merci beaucoup, merci. Ciao.